Salut les filles et les garçons. On se retrouve aujourd'hui sur Unicone avec Michel Kaplan, the one and only, et deux guests, Rachel Martino et Guillaume de Masculin Singulier. Salut. Et comme on a vachement bien aimé l'hypnose, on s'est dit qu'on allait recommencer, mais on va faire des trucs un peu surprises, alors on dit rien et on y va. On va poursuivre un peu les expériences avec nos deux super sujets qui sont réceptifs. Pour ça, j'ai besoin de rendormir ces deux demoiselles. Et après, c'est parti. Regardez-moi dans les yeux, fixez-moi intensément. De plus en plus, les paupières deviennent lourdes et pesantes, la tête lourde et pesante. Je compte jusqu'à 3, il faut 3, c'est dormir, sommeil. 1, 2, 3, on dort profondément. On se sent bien, merveilleusement bien. Pastel, dans un instant, je vais te donner un magnifique fruit à déguster. Une pomme croquante et savoureuse. Oh non, l'angoisse. Formidable, une très très belle pomme du sud de la France, bien juteuse, qui a grandi au soleil. Croque dans cette pomme et profite de ce goût, vraiment. Et tu croques à pleines dents dans cette pomme. Tu sens ce goût. Est-ce que tu peux nous dire si tu sens le jus de la pomme? Tu sens comme c'est bon? Ouais. C'est très très bon. Tu sens, c'est quelle proche de la quoi, de la golden, un peu de la. Oui. Ouais. Elle est sucrée, très sucrée. Elle est très sucrée. Oui. Encore une petite toi qui est bien dedans. Ok. Écoute, comme je sais que tu l'as beaucoup aimé, je vais essayer d'en garder pour les autres. Qui en veut? Eh bien, je compte jusqu'à 3, au chiffre 3, on redort instantanément. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond. Bien. La laine de chacal après, salut. On allait, 1, 2, 3, on ouvre les yeux, toutes les deux. Ok, super. Est-ce qu'elle était bonne, cette pomme? Je vais te montrer ce que tu viens de manger, en fait. Là, tu vas commencer à comprendre ce que tu viens de manger. Voilà ce que c'était que cette pomme. C'est un elle oignon. J'ai un bon morceau. C'est bien, t'as l'air de kiffer de ouf. Alors, on peut amener aussi, là, on peut amener aussi les pastilles à la menthe. Dans la bouche, tu as quel goût? Bah, ça pique un peu. Ça pique un peu. Mais ça va, c'est quand même bon. Oui, c'était pas dégueulasse. Ouais, c'était pas dégueulasse. Pour toi, Rachel, j'ai ramené des bonbons, des marshmallows, avec l'accent. Tu vas pouvoir les goûter, là, et croquer dedans, mange-les. Tu vas dire, tu vas sentir le goût du sucre? Non, non. Croque bien si tu veux. C'est bon, hein? C'est bon? Croque vraiment, vraiment, hein? Des fois, ils ont un peu caramélisé. Donc, si c'est trop caramélisé, c'est pas grave. Tu peux le recracher. C'est bon? Tu en veux un autre petit bout, peut-être? Un deuxième. Ok, tiens. Croque-le vraiment bien. Croque bien, bien, bien. Voilà, croque bien le. Le marshmallow. Un dernier petit bout? Allez, un dernier, vraiment un dernier. Parce que t'es gourmande hein, quand même. Hein. Tiens, allez là, voilà. Croque bien pour bien savourer le marshmallow. Ils étaient bons ces marshmallows? Oui. Tu sais ce que tu as mangé? Tu as mangé des citrons? C'est des citrons. Mais non. Si, tu verras sur la vidéo. Le goût, c'est comment? Ça fait comme un marshmallow. Voilà. Mais maintenant, regarde. Le goût redevient normal. Et là, tu commences à tout redevient normal de plus en plus. En fait, je déteste les citrons. Et là, ça commence à devenir. Je suis allergique. Did I eat the peel? Oui, tu as mangé la peau avec. Yeah, yeah, yeah. Je t'ai ramené de l'île de la Réunion du sucre en poudre. Tu vas pouvoir tremper ton doigt dedans. Et goûter ce sucre canne, juste les yeux fermés. Et tu vas sentir comme le sucre est doux. Tiens, juste voilà, sur le bout du doigt. Très bien, les yeux fermés. Tu peux mettre dedans. Le pot est là. Et vas-y, goûte. Et tu peux nous dire comment tu sens ce sucre doux. Ouais. Tu veux en reprendre un peu? Oui. Regarde, juste là, voilà. 1, 2, 3, on ouvre les yeux. Tiens, regarde, j'ai le sucre de canne ici. Vas-y, tu peux le prendre. Voilà. C'est bon? Super. Vous voulez essayer, les filles, aussi? Écoute, elle me fait de la peine. C'est du sucre, hein? C'est du sucre, oui. Ah, mais t'aimes ça, le sucre? Ok. Ça va? C'était bon, ce sucre? Oui. Quel goût tu as dans la bouche? Sucre. Sucre, et maintenant, tout redevient normal et tu as vraiment le goût naturel de ce que ça, tu as mangé. Le choc. Damn. Est-ce que tu serais capable de tremper ton doigt, de le manger naturellement comme ça? Je déteste ça. Si tu détestes ça? Et tu détestes la moutarde.
j'ai ramené pour toi aussi un fruit très sympa, des poires que j'ai fait pousser dans mon jardin. Tiens, je te donne la poire et régale-toi avec ce quartier de poire. Tu peux croquer dedans, tu vas sentir comme c'est savoureux, sucré. Ça, c'est des pommes de terre crues, simplement. Un truc qui est quand même vachement bon, que tu manges pas cru. Que tu manges pas cru. Mais c'est vrai qu'elle fait des petits briques qu'on fait jamais quand on mange. Oui, gémis, elle aime vraiment bien. C'est un plaisir en plus, c'est fou. Ah, moi, je gémis quand je mange. Tu gémis quand tu manges. Quand j'ai un truc très bon. Ah, tu en veux encore, tiens. Tu te frottes le ventre. Tiens, encore des poires, voilà. C'est bon, hein. C'est juteux. Ouais, c'est juteux. Hein. C'est sucré. C'est gorgé de soleil. C'est de l'amidon. Et maintenant, on ouvre les yeux et tout redevient normal. 1, 2, 3, ouvre les yeux, tout redevient normal. Tu peux le remettre dedans. C'est la poire la plus bizarre que j'ai. Et tu as le goût naturel. C'est des pommes de terre. C'est des pommes de terre. Remets-lui le, goût, le bon goût. Dans Garde, et regarde-moi, le bon et goût. Le goût de la poire revient instantanément. Maintenant. Dans un instant, je vais vous donner à boire. Vous allez ressentir en vous les sensations qu'on peut avoir quand on boit un peu d'alcool, sans tout ce qui est désagréable, pas de nausées, pas de mal au cœur, simplement envie de faire la fête, de trinquer entre copines. 1, 2, 3, on ouvre les yeux. Tenez les filles, c'est la fête aujourd'hui, on peut trinquer. Un peu d'alcool, allez. Chin. Et on commence à ressentir les effets. Vous vous sentez comment les filles? Joyeuses? On peut pas mettre la musique? Ouais. Regarde, tu entends. J'ai envie de danser. C'est vrai, tu entends une musique dans ta tête. Pshou, tu entends une musique dans ta tête. Tu entends la musique dans ta tête. Pshou, et tu commences à avoir envie de danser de plus en plus. Tu viens de danser. Et on a envie de danser, on s'éclate au rythme de la musique dans sa tête. On commence à danser de plus en plus. Est-ce qu'on peut chanter un truc pour que ça sorte un peu? Et est-ce qu'on peut quand même dire ce que c'est, en fait? Alors, en fait, elles sont simplement en train de boire de l'eau. Super, on est de plus en plus gays. T'es malade. Et maintenant, vous dansez comme si vous étiez toutes les deux Bruno Mars. Et on danse, on fait la chorégraphie. Uptown, funky wop. Uptown, funky wop. Uptown, funky wop. Un petit peu d'oignon pour péter ça. Instantanément, maintenant, vous allez devenir toutes les deux Beyoncé. On devient Beyoncé. Ça va être étonnant de beau. Ah, les méfaits de l'alcool. Ok, je compte jusqu'à 3. Au chiffre 3, on se réveille. 1, 2, 3, réveille. On se sent bien, merveilleusement bien, et tout redevient normal maintenant. Et on peut les applaudir, les danseuses. Hein. Vous pouvez vous rasseoir. Quel goût ça avait pour toi? C'était du vin blanc. Du vin blanc. Et toi? Moi, c'était plutôt de vodka. Vodka. D'accord. En fait, c'était de l'eau. Hein. D'accord. C'était de l'eau, toutes les deux. Ok. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une star que tu aimes bien? Beyoncé. Beyoncé. Et toi, est-ce qu'il y a une star que tu aimes bien? Justin Timberlake. Justin Timberlake. Yeah. Ok, super. Regarde-moi. Pastel, j'ai la chance de te dire qu'aujourd'hui, j'ai amené pour toi Beyoncé. Tu vas, dans un instant, ouvrir les yeux et tu verras Beyoncé. Et Rachel, j'ai l'honneur et le plaisir de te dire que j'ai ramené pour toi aujourd'hui Justin Timberlake. On ouvre les yeux, les filles. Regarde qui est-ce qui est là pour toi. Regarde qui est-ce qui est là. Hey, baby. Non. Non. C'est hyper bizarre. Tu peux lui demander un autographe si tu veux. Ça va, Rachel. Tu peux faire des photos avec Justin. Justin est là. Hi. Hi, Rachel. Oh my God. You're happy to see me. Why are you in Paris? I have a concert tomorrow. Me. You like me? This is the first time you see me? Yeah! Tu veux lui faire la bise peut-être? Ou dire, tu as fait un. Ok, je compte jusqu'à 3, au chiffre 3, tout redevient normal. 1, 2, 3, réveille maintenant. I just me. Regarde-moi. 1, 2, 3, réveille, tout redevient normal. You can be happy to see me. You're not that happy. You're not. On peut les applaudir. Elle me parlait en anglais, s'il te plaît. I'm so shy. Au chiffre 3, on se réveille, on se sent merveilleusement bien. On se souvient de tout ce qui s'est passé. 1, 2, 3, réveille. Merci les filles pour cette séance dégustation. On peut vraiment les applaudir très très fort. Hein. Voilà. Merci à toi. C'était dingue. C'est... T'as rencontré ton idole en même temps, c'était cool. T'as rencontré deux fois ton idole. Beyoncé et Michel.
On espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on est complètement... Enfin, moi, personnellement, j'hallucine mes puissances 8000. Merci, Michel, d'être venu nous montrer tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à la prochaine. Bye, bye. Bye.